Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. On continue la série dédiée aux voitures de super tourisme issues du WTCC. Après la Chevrolet, la Honda et la Citroën, il nous restait la Volvo, l'Alada n'étant pas en développement. Et bien la voici dans sa version très grossière, très brouillonne. Il y a pas mal d'erreurs sur le modèle physique de cette Volvo, mais le comportement technique en lui est plutôt sympa. On retrouve le comportement typique d'une voiture de super tourisme moderne avec, et bien évidemment, le comportement d'une traction comme ses collègues. 1100 kg sur la balance pour 260 chevaux de puissance et une vitesse de pointe aux alentours de 230 km/h et un 0 à 100 en 5 secondes 9. Donc cette Volvo qui est arrivée pour la première fois en 2016 en super tourisme, championnat du monde de super tourisme, eh bien, a eu un très très beau départ lors du premier meeting et depuis ça s'est un petit peu essoufflé. On parlait très vite de trois voitures engagées par Polestar, hein, la structure qui engage et qui prépare ces Volvo, puisque la maison mère, elle, reste à l'écart de toute compétition. Eh bien, à part des erreurs du style le volant dans le tableau de bord, vous allez le voir sur certains plans, et un skin qui est loin d'être fini. Eh bien, c'est une voiture qui, comme ses petites camarades, vaut la peine, mais ce n'est pas encore pour tout de suite que vous allez pouvoir faire de belles images avec un peloton de WTCC complet. Bref, vous l'aurez compris, il y a encore du travail sur cette Volvo, mais je vous laisse profiter du son qui, lui, est particulièrement réussi.